بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au nom du Dieu compatissant et miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, le compatissant et le miséricordieux, souverain du jour du jugement. Toi seul nous adorons, de toi seul nous implorons l'assistance. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celui de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. L'an dernier, dans les chemins de la connaissance, nous avions proposé aux auditeurs de France Culture une série d'émissions de Mounir Hafez consacrée à la mystique musulmane. Et l'accueil fait à cette série d'émissions nous a montré que le public français était vivement intéressé par les problèmes de tout ce monde religieux en réalité fort mal connu. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité prolonger cette enquête vers le monde islamique avec Madame Eva de Vitré-Meyerowicz, qui va aujourd'hui inaugurer une série qui, sous le titre « Vivre l'islam », se propose de mettre en évidence les aspects essentiels de la spiritualité du monde musulman. Je crois d'abord, Eva de Vitré-Meyerowicz, qu'il faut préciser à quel point notre méconnaissance de ce monde islamique est profonde. Oui, je crois que c'est quelque chose de très frappant. Et je crois que si on interroge dans un pays européen l'homme de la rue sur une religion plus ou moins exotique, bon, il avouera son ignorance. Quand on lui demandera ce qu'il pense de l'islam, il aura la plupart du temps une réponse un peu toute faite et qui sera fausse parce qu'elle sera beaucoup trop partielle, faute d'un éclairage suffisant. On vous répondra, oh l'islam, c'est la religion des Arabes, ou bien c'est une religion qui permet la polygamie, ou bien, comme le dit Larousse, c'est la religion du fatalisme. Je pense qu'en fait, c'est prendre la partie pour le tout, et c'est surtout confondre des aspects sociologiques souvent aberrants ou désuets, comme la polygamie par exemple, qui ne représente que quelque chose de tout à fait infime. C'est donc confondre des aspects sociologiques avec un aspect théologique qui est en somme le seul qui compte. Alors cette méconnaissance est grave parce qu'elle va plus loin qu'une méconnaissance d'une religion à l'autre, mais c'est aussi une méconnaissance de l'homme. Il y a dans le monde en ce moment 6 ou 700 millions de musulmans, donc un homme sur 3 ou 4 est musulman. Nous, méditerranéens, ce sont tout de même nos voisins immédiats. Et pourtant, nous ne savons pas ce que c'est que l'islam. Et cependant, nous trouvons dans l'islam un caractère qui devrait nous rapprocher profondément de ce qu'il exprime, puisque nous nous trouvons en face d'une religion monothéiste, mais peut-être que l'image du Dieu dont on croit voir le visage à travers l'islam ne ressemble pas au nôtre. On accuse souvent le Dieu de l'islam d'être un Dieu terrible, un Dieu terrorisant, un peu comme celui de l'ancienne Bible. Oui, là aussi, c'est quelque chose qui me paraît très faux. Et je n'en voudrais pour preuve que le fait que chaque prière et chaque rite musulman est accompagné de ce mot de Rahman, de miséricordieux, de compatissant et de miséricordieux, qui met constamment l'accent sur l'amour de Dieu, au contraire. Ce mot d'ailleurs de Rahman qu'on emploie à chaque instant vient d'une racine sémitique qui veut dire
le sein de la mer. Dieu est pour un musulman quelqu'un qui a pour lui enfin des entrailles de mer. C'est donc absolument faux. Seulement, ce qui est vrai, c'est que Dieu est le tout autre. Dieu est absolument transcendant. Toutes les religions du monde tirent leur nom de leur fondateur ou du peuple où elles ont pris naissance. On dit le christianisme à cause du Christ, le bouddhisme à cause du Bouddha, le zoroastrisme à cause du Zoroastre, etc. Et le judaïsme à cause de la Judée. Mais il en est tout autrement avec l'islam, qui présente cette particularité unique de n'être associé à aucun homme ou peuple particulier, et qui veut dire en réalité qui implique une certaine attitude d'esprit. Le mot islam n'implique pas de relation à un fondateur de religion. L'islam, c'est en réalité une attitude d'esprit fondamentale de l'homme qui va impliquer une universalité, puisque l'islam, pour un musulman, n'est pas une dénomination confessionnelle, mais correspond à une certaine vision du monde, à une certaine conception du sacré, et est donc, pour un musulman, la religion absolument naturelle. Le mot islam, d'ailleurs, signifie soumission, et il se rapproche du mot salam, qui veut dire paix. C'est cette soumission qui engendre la paix. C'est donc une relation de l'homme par rapport à l'univers et par conséquent envers le Seigneur de l'univers. Mais alors d'où vient la confusion que nous établissons ici, très souvent, entre la religion musulmane et Mahomet ? Eh bien, Mahomet était le prophète qui a apporté ce message. C'est-à-dire que pour un musulman, si vous voulez, il y a une notion de prophétie, et ce qu'on sait en général très mal en Occident, c'est que le musulman est obligé par sa foi même de reconnaître le message des autres prophètes et par exemple de croire à la Torah et de croire à l'Évangile. Mohammed a toujours dit qu'il n'était qu'un homme comme les autres, qu'il était simplement chargé d'apporter un message, et ce message n'étant qu'un rappel. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très très important, parce que l'idée fondamentale de l'islam, c'est que l'homme, par nature, par sa disposition profonde, tant qu'il n'est pas corrompu par ce que l'islam appelle kufr, c'est-à-dire d'associer à la soumission, donc à l'islam, qu'on doit avoir à l'égard de l'absolu, l'amour très ardent d'autres choses. Et alors cette idée de nature originelle qui est fondamentalement musulmane va amener les musulmans à des affirmations telles que celle-ci, par exemple, comme ce que disait un théologien musulman moderne: le soleil, la lune, la terre et tous les autres corps célestes sont donc musulmans, tout comme l'air, l'eau, la chaleur, les minéraux, la végétation, les animaux, puisque tout obéit aux lois qui lui ont été assignées, lois qui dépendent elles-mêmes d'une loi unique. Tout l'univers est en somme dépendant du Créateur, dépendant de cet absolu. C'est donc se situer par rapport à une transcendance et faire un acte d'islam, c'est en somme avoir, non pas du tout le fatalisme, comme dit le petit Larousse, mais une attitude de soumission, c'est le mot même islam qui veut dire soumission, de soumission en obéissant à la loi profonde de sa nature. Cette nature originelle, qui est donc capable de Dieu, est quelque chose d'absolument fondamental, c'est le point vierge dans l'âme humaine, et nous avons en islam, surtout dans l'islam mystique, dans l'islam soufi, un certain nombre de légendes, d'histoires, qui illustrent assez bien cela. Je voudrais en prendre une comme exemple. À Java, on nous raconte que l'un des héros légendaires, qui a été l'un de ceux qui ont introduit l'islam à Java, à une époque que les Javanais appellent le temps entre les temps, c'est-à-dire le moment où l'ancienne civilisation de l'Inde disparaît devant l'islam. Ce héros, donc, qu'on appelle Suman Kalijaga, était un vaurien et qui volait sa propre mère pour boire et jouer. Et quand tout l'argent de sa mère a été dépensé, il est devenu un brigand de grand chemin, et répandant la terreur, on l'appelait Raden Jaga Sahid, c'était vraiment son nom. L'autre étant un surnom, c'est-à-dire celui qui garde le fleuve. Et c'est en ce temps qu'un certain marchand musulman est arrivé à Java, revêtu d'habits somptueux, couvert de bijoux,
portant une canne en or massif. À cette vue, le jeune voleur, qui était donc venu un brigand lorsque sa mère n'a plus eu du tout d'argent à voler, s'est précipité en brandissant un poignard pour le dépouiller. Le marchand arabe s'est contenté de rire en lui disant au Sahid, l'appelant ainsi par son nom qu'il était censé ignorer, « Tu es absolument stupide, nous ne vivons qu'à maman, regarde donc cet arbre derrière toi. » Saïd s'est retourné et a vu que le banyan s'était transformé en or et que des joyaux étaient suspendus à ses branches. Il s'émerveilla qu'un homme qui pouvait accomplir de tels prodiges ne désirât pas les richesses. Il dit à Bonan qu'il ne voulait plus voler, jouer ni boire, mais désirait être instruit dans cette science. Bonan lui répondit « D'accord, mais c'est très difficile, auras-tu assez de courage et de persévérance ?» Saïd lui affirma qu'il persévérerait jusqu'à la mort, sur quoi Bonang lui enjoignit de l'attendre au bord du fleuve jusqu'à ce qu'il revînt et s'en alla. Saïd l'attendit donc au bord du fleuve 20 ans, 30 ans ou 40 années, perdu dans ses pensées. Des arbres poussèrent autour de lui, des bâtiments furent construits, les foules passaient, les flots lui lavaient les pieds et Saïd ne bougeait pas. Au bout de tant d'années, le marchand arabe est revenu comme il avait promis et lui a dit « Je vois que tu as été vraiment très, très patient. » Et Saïd lui a dit « Maintenant, il est temps que tu m'enseignes ta science. Je l'ai bien gagnée. » Bonang s'est mis à rire et lui a dit « Mais va et enseigne l'islam. » Et sans avoir lu le Coran, sans avoir entendu parler d'islam, Saïd a été l'apôtre de Java. Parce que son cœur était purifié par le dépouillement de tant d'années d'attente et par cette patience, son cœur avait reflété comme un miroir sans tache la vérité. La deuxième histoire que je voulais raconter, qui ressemble beaucoup à celle-ci d'ailleurs, et qui montre cette permanence de conception dans des temps et des époques très divers, et qui est aussi une des caractéristiques de la pensée islamique, c'est celle qui a donné naissance à Robinson Crusoe. Daniel Defoe connaissait un texte d'Ibn Dufail, qui est un Marocain qui vivait au Xe siècle, si je ne m'abuse, et qui raconte l'histoire imaginaire d'un enfant né, enfin transporté sur les flots, qui n'a donc ni père ni mère, qui aborde dans une nacelle à une île déserte, qui est élevé par une gazelle, enfin ça ressemble un peu à du Kipling, qui ignore tout évidemment, qui n'a aucun maître, et cette île reste absolument déserte pendant tout le cours de son existence. Et petit à petit, il va découvrir la vie et la mort. Sa nourrice, la gazelle, par exemple, meurt. Il va donc découvrir ce que c'est que la mort, ce que c'est que la vie, ce que c'est. Et petit à petit, il va découvrir toute une métaphysique qui nous est d'ailleurs enseignée peu à peu, pas à pas, cette espèce de découverte de l'univers où les corps célestes impliquent un ordre et donc une soumission à Dieu et donc un islam. Et quand il est déjà un adulte, un maître musulman habitant une autre île lointaine qui a entendu parler de ce Robinson vivant tout seul sur son île aborde à cette île et le découvre tout seul. Et dans ses conversations, il s'aperçoit que cet enfant qui n'avait jamais eu aucun maître avait découvert tout seul l'islam. C'est donc, je crois, une attitude fondamentale et c'est cela, je crois, qu'on ignore tout à fait parce qu'on en fait une dénomination confessionnelle, ce n'est pas du tout ça. C'est en somme une attitude d'esprit fondamentale mettant l'accent fondamentalement sur l'unité essentielle de l'homme et du monde, sur l'unité du profane et du sacré, sur l'unité de l'éphémère et de l'éternel. C'est cela l'islam. Oui, alors je voudrais revenir à ces deux histoires que vous venez de nous raconter. Dans la seconde, vous avez mis en scène, à travers ce religieux marocain, un jeune garçon qui, au fond, découvre l'islam à travers la solitude, à travers l'innocence préservée. La première histoire nous raconte l'aventure d'un garçon que sa cohabitation avec d'autres hommes avait transformé en brigand. Et ceci met en évidence, dès qu'il y a cohabitation des hommes entre eux, la présence à l'intérieur de la cité humaine, de l'ordre qui a été créé par Dieu, de forces mauvaises. Ces forces mauvaises qui sont d'ailleurs expliquées dans toutes les autres religions et que dans le christianisme, nous faisons remonter à l'idée, à la notion de péché originel. Alors, il y a un désordre dans la nature, désordre que peut
exorciser en quelque sorte une conduite pure et une conduite personnelle conforme aux lois de Dieu, mais où se situe alors dans la vision islamique le mal qui est dans la cité des hommes? Oui, je crois que c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est en somme un refus. Le péché originel est aussi un refus. Je vais vous raconter, si vous le permettez encore, une histoire. C'est une histoire qui est racontée par Razalin, l'Al-Ghazal du Moyen-Âge, et qui a été reprise ensuite par des maîtres soufis. Cette histoire raconte qu'un sultan, voulant un jour faire décorer une salle de son palais, avait convoqué deux groupes d'artistes, les uns de Byzance et les autres de Chine, et les avait mis en compétition. Et alors, cette grande salle était divisée en deux, de façon que les deux groupes de concurrents ne se voient pas, ne voient pas ce qu'ils faisaient. Et puis, on a donné aux deux groupes de peintres toutes les peintures et les pinceaux qu'ils voulaient, et puis on les a laissés travailler. Alors, les Chinois, qui dans la culture islamique, d'ailleurs, représentent toujours le monde de la beauté, enfin, peignaient sur la paroi qui leur était dévolue des fresques ravissantes. Et pendant ce temps-là, les peintres de Byzance, qui représentent les mystiques, se contentaient de polir sans relâche leur mur. Ce mur qui était blanc et qu'ils polissaient sans cesse, sans rien peindre dessus. Alors le jour de l'inauguration, le sultan est venu, il a d'abord commencé par regarder les fresques peintes par les peintres de Chine, et il a trouvé ça absolument merveilleux. Et puis il a demandé que le rideau soit tiré, et il a vu à ce moment-là se refléter dans la paroi blanche comme la neige, polie par les peintres de Byzance, il a vu se refléter les fresques des peintres chinois. Et l'histoire nous raconte que le reflet était plus beau que la réalité. Parce que dans un cœur absolument poli par l'ascèse, revenu justement à une innocence première, comme vous disiez tout à l'heure, alors elle reflète le monde entier, elle reflète en fait toutes les visions du cosmos, et elle le reflète avec cette beauté accrue. Si on pouvait essayer de schématiser un tout petit peu ce que peut-être, me semble-t-il, la pensée profonde de l'islam, c'est rien n'est permanent, tout est fugace, tout n'est que des reflets, tout n'est qu'une irisation comme une irisation sur l'eau. Il y a cette réalité ultime, cette réalité fondamentale qui fait l'objet d'ailleurs de la profession de foi musulmane, qui est, comme vous le savez, il n'y a de Dieu que Dieu, enfin de Dieu avec un petit D que Dieu avec un grand D, et ce que très souvent les mystiques traduisent par « il n'y a de réalité que la réalité ». Alors vous parliez tout à l'heure du mal. Je ne pense pas du tout que l'islam soit ni fataliste comme on l'en accuse, puisque pour lui c'est une attitude de soumission et de soumission volontaire qui donne à l'homme d'ailleurs sa dignité, parce que si la pierre est musulmane parce qu'elle tombe, ou si la plante est musulmane parce qu'elle pousse, ou si la planète est musulmane parce qu'elle tourne, l'homme est musulman parce qu'il devient le témoin de Dieu. Et cette profession de foi, ça s'appelle le témoignage, qui est d'ailleurs comme en grec le même mot que le martyr, enfin, c'est le témoignage, c'est l'attestation par l'homme que il n'y a vraiment que cette réalité. Donc, en devenant le témoin de cet absolu, l'homme devient en somme le coopérateur de Dieu, et c'est cela qui fait sa dignité. Alors, le mal, eh bien, le mal, c'est peut-être un mal en creux. Enfin, c'est si vous voulez, vous savez, à cette époque-là, je reviens à cette idée de miroir. Très souvent, les mystiques de l'islam ont repris ce thème du miroir, et comme dans les anciens temps, les miroirs, c'était un miroir en métal. Donc ce qui empêchait de se voir dans le métal comme dans la paroi des peintres, c'était la rouille. Et le Coran parle du péché comme d'une rouille qui oxyde les cœurs, qui noircit les cœurs. Donc c'est ça, je crois que c'est un refus et que cette attitude profonde conduit à une sorte d'ascèse pour se rendre... Enfin, vraiment capable de cette attitude qui est vraiment la loi de l'homme, enfin la loi profonde de l'homme, la loi qui lui fait prendre conscience de sa dignité. Il n'y a pas de nature originelle viciée au départ, si vous voulez. Mais il y a évidemment la tentation constante, parce que
les gens ne sont pas des saints, et comme vous disiez tout à l'heure, enfin, le mal est dans la cité, eh bien, cette tentation constante, au lieu de, d'avoir une certaine hiérarchie de valeurs avec l'absolu tout en haut et puis le reste, eh bien, très souvent, cette hiérarchie est inversée. Enfin, on se fait une idole, non pas d'une idole de bois, comme les gens à la Mecque avant l'islam, mais des idoles du pouvoir, de l'argent, etc. C'est-à-dire que le mal, au fond, c'est un oubli ou une erreur. C'est tout de même plus qu'une erreur. Enfin, c'est se mettre dans une situation où on ne peut plus refléter le divin. On se rend incapable de Dieu. Cet homme parfait, d'ailleurs, près de Dieu, les Occidentaux eux-mêmes ont été sensibles à sa présence dans la cité des hommes. Et on pourrait citer à ce propos un texte tout à fait admirable de Lamartine, où l'on voit le visage du prophète évoqué avec une extraordinaire intensité. Jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la création et le Créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'entreprit avec de si faibles moyens une œuvre si démesurée aux forces humaines, puisqu'il n'a eu, dans la conception et dans l'exécution d'un si grand dessein, d'autres instruments que lui-même et d'autres auxiliaires qu'une poignée de barbares dans un coin du désert. Enfin, jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et si durable révolution dans le monde, puisque, moins de 2 siècles après sa prédication, l'islamisme prêché et armé régnait sur les 3 Arabies, conquérant à l'unité de Dieu la Perse, le Khorasan, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, tout le continent connu de l'Afrique septentrionale, plusieurs des îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armes, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur 1/3 du globe habité. Mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toute langue et de toute race. Et il a inspiré, pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane, la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel. Ce patriotisme, vengeur des profanations du ciel, fut la vertu des enfants de Mahomet. La conquête du tiers de la terre à son dogme fut son miracle. Ou plutôt, ce ne fut pas le miracle d'un homme, ce fut celui de la raison. L'idée de l'unité de Dieu, proclamée dans la lassitude de théologies fabuleuses, avait en elle-même une telle vertu qu'en faisant explosion sur les lèvres, elle incendia tous les vieux temples des idoles et alluma de ses lueurs 1/3 du monde. Cet homme était-il un imposteur? Nous ne le pensons pas après avoir bien étudié son histoire. L'imposture est l'hypocrisie de la conviction. L'hypocrisie n'a pas la puissance de la conviction, comme le mensonge n'a jamais la puissance de la véracité. Sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter 15 ans à la Mecque,
son occupation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, sa fuite, enfin, sa prédication incessante, ses guerres inégales, sa confiance dans les succès, sa sécurité surhumaine dans les revers, sa longanimité dans la victoire, son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sa prière sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau attestent, plus qu'une imposture, une conviction. Ce fut cette conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double. L'unité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disait ce que Dieu est, l'autre disait ce qu'il n'est pas. L'un renversant avec le sabre des dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole une idée. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur des dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mahomet. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Voyez-vous, je crois que c'est pour ça que depuis 13 siècles, lorsque 5 fois par jour, d'un bout de la terre à l'autre, retentit l'appel à la prière, on appelle à la bénédiction de Dieu et sa paix sur le prophète, parce que c'est lui qui a révélé au monde ce visage impérissable de l'islam.